Mais ça va pas ou quoi? Mais ce soir, c'est le Galactora Box. Mais attends, les gens, ils sont religieux, ils ont la kippa. Il y a des gens bien ce soir. Attends, il y a des kissous, il y a des perruques. Et... ça va pas ou quoi? Mais t'es un grand malade. Mais qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit religieuse, on avait fait cet après-midi ensemble. Attends, tout allait bien. En plus, il y a des rabbanim. Il y a le Rav Usan, il y a le Rav Dayan, il y a le Rav Abergen. Tu peux pas me faire ça, mais un peu de cerveau, quoi. Je t'ai dit, une musique religieuse. Quoi? T'es un boulet ou quoi? Je t'ai dit religieuse, je t'ai dit. Écoute. Non mais sérieux. Ça va pas ou quoi? Comment, Christian? Oui, je suis religieux, oui. Oui, j'ai fait tchouva. Ah non, mais vous inquiétez pas, hein. Ma famille a très très bien pris. Il y a même ma grand-mère qui arrête pas de dire à tout le monde, vous savez pas la nouvelle? Mon petit-fils, il est devenu Lubavitch. Alors moi, à chaque fois, j'essaie de lui dire, mais mamie, mais combien de fois je vais te dire, mais je suis pas Lubavitch. Non, attention, j'ai rien contre Lubavitch. Hein. Il y a des Lubavitch ce soir dans la salle? Non, j'ai rien contre Lubavitch, qu'on se le dise. Moi, je suis pour le Mashiach. Hein. Et même now. Non, c'est clair, j'ai rien contre Lubavitch. Non, c'est juste que quand tu fais tchouva, les gens, ils savent pas vraiment ce que t'es quoi. T'es Chabad, t'es Breslev, t'es salafiste. Qu'est-ce que t'es exactement? Mais sérieux, ils savent pas vraiment ce que t'es. Moi, je leur dis, je suis religieux, quoi. Alors, en plus de ça, quand tu deviens religieux, t'as l'impression de devenir un peu le porte-parole officiel de tous les religieux du monde entier. Je sais pas pourquoi. On te pose toujours les mêmes questions. Genre, Noam, par exemple. Noam, explique-moi. Si Dieu existe, pourquoi il y a des gens qui meurent de faim dans le monde? Pourquoi il y a des guerres? Je peux m'expliquer ça pourquoi? Non mais sérieux, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça, moi? Ou alors des questions du genre, Noam, la semaine dernière j'étais en Israël, le type il avait la kippa, hein, il était religieux et tout. Il m'avait fait tourner 3 fois le tour de la ville pour faire tourner le compteur. Tu trouves ça normal? C'est ça la religion? Non mais ça va quoi. Ou alors une femme qui m'a dit, Noam, les perruques, si elles sont plus belles que tes vrais cheveux, à quoi ça sert? Non mais ça va quoi. Moi je travaille pas pour une organisation internationale qui gère le comportement des religieux dans le monde. Non mais j'ai l'impression qu'on guette la moindre erreur des religieux, le moindre faux pas. J'ai l'impression que quand j'ai commencé à faire tchouva, j'ai dit à tout le monde, hé les gars, je suis parfait, je suis au top. Alors que pas du tout. Moi plus j'avance dans la religion, plus je me rends compte que j'ai du chemin à faire. Hein. Mais bon. D'un côté je les comprends, moi avant la tchouva, j'étais un peu comme ça, je voyais un peu les religieux comme les représentants de Dieu sur Terre. Mais bon, d'un côté, on pose pas ces questions à un type qui vient de commencer, à un type qui est encore en phonétique. Oui, je disais en phonétique, oui. Dans le gros bataria ou gris vert, là. Celui qui m'a traumatisé dans ma tchouva. Celui que quand je rentrais à la synagogue, tout le monde savait que je disais pas l'hébreu. Oui, celui-là, oui. Non, sérieux, ils auraient pu faire un peu discret, quand même. Bon. Non, des trucs comme ça, quoi. T'es plus la tchouva, c'est pas comme ça, il y a des étapes. Non, mais sérieux, par exemple, dans la cache-croûte. Au départ, quand tu fais tchouva, bon. On se le dise, bon voilà, quand tu vas au McDo, bah tu prends le fish. Après tu prends le fish sans la sauce, que tu dis peut-être qu'il y a des problèmes de cache-croûte dans la sauce. Après tu prends le fish sans le pain. Après tu prends le fish sans le fish, bon au final tu vas plus au McDo quoi. Hein. Et puis par exemple à l'époque, bon, quand j'allais au grec avec mes potes, ça peut paraître bizarre mais je faisais maudit sur le grec. Alors t'avais le fermus comme ça qui me regardait. Bon tu peux y aller, c'est halal, c'est bon. Moi j'ai compris que même halal c'était pas bon. Alors il y avait une autre... Il y a une autre étape, celle d'après, c'est l'étape extraordinaire, c'est quand tu arrives à ramener tes potes Abdel et Mamadou au restaurant cachère. J'ai réussi à les ramener à Saint-Paul, on s'est fait un shawarma, donc c'était magnifique. Mais bon, je vous cache pas que quand on est rentré dans la FIFA Falafel, tout le monde a cru que j'étais pris en otage, quoi. Non mais sérieux, non, c'est pas facile la cache-route, non mais sérieux. Attends, on est passé de 4 à 10 euros. Attends, c'est un coup pour le portefeuille, quoi. En plus, tu prends 2 bouchées, tu te bouffes les doigts. Non mais sérieux, moi ça me fait marrer tous ces clichés, tous ces stéréotypes complètement dingues qu'on a sur les religieux. Genre ça y est Noam, t'es devenu curé, bientôt tu feras plus la bise à ta mère. Mais comment ça je ferai plus la bise à ma mère? Bien sûr je fais la bise à ma mère. Je fais la bise à ma mère, je fais la bise à ma grand-mère, je fais même la bise à ma femme. Non, je suis un mec normal quoi. Et comme ma tante aussi qui vient me voir qui me dit Noam, fais-moi un bisou. Comment c'est un bisou? Ça y est, tata c'est fini tout ça, je suis religieux. Mais c'est moi qui t'ai changé les couches. Mais ça y est, j'ai plus de couches, mamie, ça y est, tata, excuse-moi, j'ai plus de couches, quoi. Non, mais ça y est, je suis religieux maintenant. Et puis c'est pareil aussi la semaine dernière, quand j'étais au mariage de mon cousin. Bon, c'était pas un mariage religieux, bon, c'était pas séparé, c'était pas un bel-up toute la soirée, bon. J'étais comme ça, bon, comme vous pouvez l'imaginer, j'étais un peu mis en retrait, bon, à une table, je m'ennuyais un peu. Et là, tout d'un coup, t'as le DJ, je sais pas ce qu'il lui a pris, il a commencé à mettre une musique religieuse.
racidique, c'est une musique religieuse. C'est pas possible, mais quel boulet ce Patrick, mais c'est pas vrai. Qui c'est qui a pris ce mec? C'est pas possible. Bon, reprends, bon. Voilà. Je sais pas pourquoi toute ta famille s'est retournée vers moi. Allez, c'est la chanson. Allez, c'est pour toi, les poi poi, les Schreiber. Allez, viens, viens danser. C'est un... comment ça la chanson? Mais c'est un miroir de moi. Je sais... Franchement, je suis allé voir le DJ. Je lui ai dit, écoute David. Oui, c'était David Guetta. Je lui ai dit, écoute David, tu vas me changer cette musique tout de suite. Et là, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai sauté sur la piste. Les femmes d'un côté, les hommes de l'autre. Ouverture la mer Rouge. Je vais t'en montrer les poi poi et les Schreiber. Allez, DJ. Merci. Et que Dieu vous bénisse. Noël.